Déjà rentré? Oui, bébé. Ça sent, ça sent. Oui, je sais. Danser n'est pas un problème. Mais la question est, si on continue de danser et que je ne fasse pas la cuisine, alors qu'il fera? Espérons qu'on n'en arrive pas là. Vraiment? Tu ne t'en sors pas mal. Hein? Pas mal, pas mal. À chaque fois que tu danses comme ça, il y a un truc. Tu m'en parles? Pourquoi je danse? C'est parce que tu es splendide. Oh, est-ce l'odeur de ce repas? Ça sent très bon. Choisis bien ta réponse parce que cela va dépendre si je te casse la gueule ou les os avec une cuillère. Qu'est-ce que j'ai peur? Alors, quelle est ta réponse? Pourquoi est-ce que tu danses? Moi ou le repas? Pourquoi ne souhaitons-nous pas cela le temps que j'aille me doucher? Tu dois répondre. Non, pas question. Oh! Ok. De la bouffe. Ça m'a l'air très bon. Ouf. Annabelle. Attends, ouais, il n'y a pas de sauce là-dedans. J'ai servi le repas et la sauce est finie. Que dois-je faire? Attends, que veux-tu dire par la sauce est finie? Je t'ai vu préparer la sauce quand je suis arrivée. Arrête de me taquiner. Où est ma sauce? Gourmand! Ah ah! Tu aimes trop la nourriture. Tu sais que j'aime manger des repas faits maison. Oui. Donc, je peux avoir mon repas maintenant? Ouais. Mais après que tu aies répondu à la question que je t'ai posée plus tôt. Moi ou la bouffe? Bébé, mon épouse adorée. Tu sais que tu as la raison de mon existence. Je t'aime énormément. Donc, c'est toi, aujourd'hui et demain. Alors maintenant, je peux avoir ma sauce? Ok. Très bien. Je ne voulais pas le manger. Gourmand, je ne te fais pas confiance. Oh.
Bébé. Bébé, c'est exceptionnel. Oh mon Dieu. Merci beaucoup. Merci chérie. Merci de toujours prendre soin de moi. Je t'aime énormément. Je t'aime aussi. Merci pour tes efforts chérie, ça me fait vraiment plaisir. Je t'en prie. En passant, c'était Naz au bureau. Merci de demander. Bébé, dis-moi, quelle est ta partie préférée dans ce mariage? Tu essaies d'écrire un journal ou quoi? Arrête de faire l'idiot, tu es sérieux là? Ok. Laisse-moi réfléchir. Pourquoi est-ce que ta tête grossit quand tu me regardes? Ma. Arrête de faire ça. Ma tête n'est pas grosse. Qui le dit? Connais-tu la taille de ta tête? Annabelle, je te connais. Tu me taquines. En fait, depuis, tu me taquines. Je fais rien du tout, non. Arrête. Non. Ok. Je te fais juste marcher. Ok, je vois. Réponds à la question. Ok. Tout. J'aime tout dans ce mariage. Mais peut-être que nous devons faire juste un ajustement. Dis-moi lequel? La cuisine et les tâches ménagères. Parfois, je rentre du boulot épuisée et... Mais voyons, bébé, n'allons pas de ce côté-là, s'il te plaît. Tu sais très bien que je ne mange pas d'ailleurs, je ne le fais pas. Je sais, mais... Peu importe. Alors, puisque nous sommes libres aujourd'hui, et si je t'enseignais un ou deux trucs sur la cuisine? Tu sais, ça pourrait t'aider à faire tes repas faits maison, à ton goût, quand je ne suis pas là ou quand je suis épuisée. Est-ce que tu sais que tu es très belle? Merci. Tu sais, bébé, tu ferais une très belle prof. Parce que tu es bon dans tout ce que tu fais. Mais je ne suis pas intéressée. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de trouver une excuse que de faire à manger. Qui est ce gars paresseux? Hey. Je ne suis pas un gars, je suis ton mari. Comment? Quand? Oh mon Dieu. Je me suis faite kidnapper. À l'aide! Ok. Qu'est-ce que tu fais? Dégage. Maintenant, s'il te plaît, bébé, je n'ai pas terminé. Ça peut attendre. Ça ne peut pas. Je dois déposer ça demain matin. Tu dois aussi t'occuper de ton mari. Je le ferai, mais pas maintenant. Bébé.
vrai. Bonjour, mon rayon de soleil. Bonjour. Quelle heure est-il? Notre heure préférée du matin. Je suis sérieuse, quelle heure est-il? S'il te plaît. Oh mon. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je dois me préparer. Mais il est encore tôt, bébé. Je ne veux pas rester plantée dans les embouteillages. Pas quand j'ai une présentation à 8h30. Mais... Anna, bébé, mais viens. Seulement quand je veux faire... Salut, bébé. Oh! Ça va, mon amour? Tu es rayonnante. Merci. Bienvenue. Merci, chérie. Tu travailles? Ouais. Alors, ça a été? Bien. C'était ennuyeux. Vraiment très ennuyeux. Des discours et des fous rires. Quelle façon de décrire une sortie avec ton équipe? Ok, ma puce. Dis-moi, de quelle manière le décrire? On lutte tous pour la même chose. La promotion et la reconnaissance, dont tu peux t'imaginer à quel point on sera faux. Ouais, t'as gagné. Au moins, t'as bien mangé. C'est ma part. Bébé, tu sais que je ne mange pas dehors. Mais bon, je t'ai pris ceci. Je ne comprends pas. Tu ne manges pas dehors, d'accord. Mais même dans les meilleurs restaurants de la ville... Mais bébé, même dans les restaurants les plus chers, dans toute la nation, dans tout le monde entier, je ne m'amuse pas avec ce qui va dans mon ventre. Sauf avec ma chérie. Donc, pour couper court, tu veux que je cuisine pour toi ce soir? Oui, et je ne changerai pas d'aussitôt. Mais je suis fatiguée. J'ai été très occupée au bureau. Je suis rentrée il y a une heure et depuis lors, je suis en train de faire ce travail parce que je dois le terminer avant demain matin. Voyons, veux-tu que je meure de faim? Mais voyons, bébé. Tu ne mourras pas de faim. Tu peux manger ça. Je veux un repas fait maison. Bébé, allez, mange ça s'il te plaît. Je ne pense pas être prête à aller à la cuisine en ce moment. Annabelle, je ne veux pas de ça. Prépare-moi un truc à manger. Bien. Désolée de te décevoir. Mais tu vas devoir faire avec ça. Pardon? Ma puce, as-tu déjà parlé à ton mari au sujet de ton examen promotionnel que tu prépares? Non. Pourquoi pas? Je n'ai pas encore trouvé le moment idéal pour lui en parler. Il va le remarquer. Tu m'as déjà dit que je dois te préparer à peine. Et tu rentres très épuisée à la maison, chaque jour. Et tu es à peine capable d'engager de longues conversations. Comment comptes-tu t'en sortir? Tu penses que je ne suis pas au courant de ce fait? Parfois, il fait la cuisine devenir un truc que je commence à détester. Et pourtant, c'est quelque chose que j'aime faire. Je suis désolée pour ça. Mais peut-être que vous devriez en discuter. Oui. Dis-lui à quel point tu es débordée avec le travail au bureau. Que tu bosses pour une promotion. Raison pour laquelle tu peines à accomplir tes devoirs conjugaux. Je pense qu'il comprendra. Crois-moi. Non, pas du tout. Crois-moi. Et tu n'as même pas essayé. Je connais Tux. Je suis vraiment, vraiment désolée. Le boulot a mis du temps et... Bébé, j'attends depuis des heures. Je n'ai rien mangé de bon
depuis que je suis rentrée. Je vais préparer ton dîner. Je m'y mets tout de suite. Donc, comment a été le boulot aujourd'hui? Annabelle, Annabelle, cela devient déjà une habitude. Je t'ai déjà dit que j'ai été retenue au boulot. Comment peux-tu appeler ça une habitude? Parce que tu as toujours été retenue au boulot. Je dois toujours attendre des heures avant de manger. Parce que tu rentres tard. C'est la troisième semaine que tu fais ça. Pour l'amour du ciel, Tchoux. Je suis sur le point de faire ton dîner, n'est-ce pas? Pourquoi me prends-tu la tête avec ça? Je suis stressée, s'il te plaît. Désolée. Quelle heure est-il? 21h. Et ça commence à me taper vraiment sur les nerfs. Je suis vraiment désolée, d'accord? Je peux nous commander quelque chose à manger. Ou allons manger dehors. Tu sais que je ne mange pas dehors. Je ne le fais pas. Je sais, mais essaye cette fois-ci. Si tu fais une réaction allergique à ça, ce sera de ma faute. Et j'en serai responsable. Toi, tu sais quoi? T'inquiète. Je préfère aller au lit. Tu passes une bonne nuit. Oh mon Dieu. Bonjour, bébé. Oh, bonjour. Où est mon portable? Je ne sais pas. Regarde au salon. Tu l'as retrouvée là-bas? Annabelle? Pourquoi es-tu debout? Pour faire ton petit déj et passer du temps avec ce petit travail. Je ne suis pas un dieu et tu le sais. Que veux-tu dire? Seuls les dieux mangent des offrandes grillées parce que ce que tu prépares est maintenant une offrande grillée. Jésus! Ça va, t'inquiète, t'inquiète. J'ai éteint le feu.
Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je ne prends pas le dîner. Et aujourd'hui, tu décides de faire un petit déjeuner que tu as transformé en une offrande grillée. Ah, cesse d'appeler ça une offrande grillée. Je n'avais pas l'intention de la faire griller. De quoi tu parles? Ok, comment devrais-je l'appeler? Non, Annabelle, comment devrais-je l'appeler? Je suis vraiment, vraiment désolée, ok? Je vais me rattraper. Je ferai quelque chose d'autre pour le petit-déj. Et je te promets que tu trouveras le dîner à ton retour du boulot. J'ai perdu l'appétit. Je ne suis pas intéressée. Peut-être que je prendrai le dîner si tu ne le transformes pas en une offrande grise. Ah. Tu n'abandonnes pas, n'est-ce pas? Je vais me rattraper, ok? Chérie, il y a un truc qui manque dans cette nourriture. Qu'est-ce qui manque? Qui l'a préparé? Préparer cette nourriture moi-même. Qu'a-t-elle de mal? Cette sauce n'a rien à voir avec ta sauce. Et d'ailleurs, je ne t'ai pas vu préparer. Je ne comprends pas. Je me suis démerdée pour m'assurer que mon cher mari ait son repas fait maison désiré. Et ça, c'est ce que j'obtiens. Annabelle, ne te fous pas de moi. Ne le fais pas. Qui a préparé cette nourriture? C'est un repas fait maison. Ça n'a juste pas été fait dans cette maison. Ok. Dans quelle maison elle a été faite? Chez Jane. Attends. Jane? Tu as demandé à Jane de préparer ma bouffe? Non, je n'ai pas demandé à Jane de faire ta nourriture. Je l'ai fait moi-même chez Jane. Ah, bébé, s'il te plaît, mange. Ah. Tu as demandé à Jane d'acheter cette nourriture dehors car tu savais que tu finirais tard? Si la nourriture n'est pas faite dans cette maison, alors ce n'est pas du fait maison. On est d'accord qu'il ne s'agit pas de mon boulot là, n'est-ce pas? Pouvons-nous nous débarrasser de cette obsession de la bouffe faite maison? Je n'en fais pas une obsession. Oh que si! Bonne nuit. J'ai juste envie de te mettre une balle tout de suite. Quoi? Il a aimé la bouffe et il souhaite épouser la chef? Très drôle. Je t'ai donné des instructions claires. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose ne va pas. À la seconde où j'ai goûté la nourriture, je savais que quelque chose n'allait pas. Et je priais. J'espérais qu'il ne le remarque pas à cause de la famine. Mais devine quoi? Je suis désolée. J'ai oublié les instructions dont j'ai décidé de le faire à ma manière. Jane. J'ai appelé, mais tu ne décrochais pas. Je t'ai occupée au boulot et je n'ai pas pu décrocher. Et c'est pourquoi je t'ai payé pour que tu le fasses pour moi. Si tu y avais décroché, je n'allais pas rater ce plat.
Et si c'était une urgence et que tu étais la seule à avoir la solution? Bien, il le sait maintenant et il est en colère. Bonne nuit, Jane. Tu as quelque chose à me dire? Rien du tout. Quand comptais-tu me parler de ta promotion? Tu étais à l'essai, mais tu viens de le confirmer. Seigneur, quoi? Comment l'as-tu su? J'ai un ami dans ta compagnie, tu te souviens? C'est pourquoi tu agis si bizarrement? Je n'agis pas bizarrement. Tu sais quoi? Je suis trop fatiguée pour ça. Bonne nuit. Les gens peuvent parler pour rien du tout. Pour qui se prend-elle pour parler de mes affaires à mon mari? Qu'est-ce que tu racontes? Elle est simplement contente pour toi. Elle est. De quel côté es-tu? Du mien ou du sien? S'il te plaît, sois contente. Que quelqu'un d'autre l'ait fait pour toi. Quelqu'un d'autre l'a fait. Tu n'as même pas eu le culot de lui en parler. Je n'ai pas besoin de culot. Je ne suis pas un homme. Laisse tomber. Je pense que tu en as besoin pour résoudre cette situation. Oui. Quoi qu'il en soit, que comptes-tu faire? Il est toujours en colère. Et franchement, je me fous pas mal. Il devrait me comprendre, mais il ne le fait pas. Vraiment? Est-ce que tu sais que tu es en tort? Oui. Tu es en tort parce que tu ne le lui as pas dit. Parfois, tu te comportes comme une enfant. Jésus-Christ. Vas-tu un jour me soutenir? Non. Jane. Tu es en tort. Accepte cela, s'il te plaît. Je regrette mes actes. Je regrette sincèrement. J'aurais dû te parler des examens, des résultats et tout le reste. C'est fou ça, Annabelle. Ok, maintenant que tu as la promotion, que devient notre famille? Tu vas ramener le boulot à la maison et tu vas continuer d'être fatigué et épuisé tout le temps. On va devoir trouver un moyen. Vraiment? Ok, dis-moi quel moyen. Le seul moyen entre ça, c'est de démissionner. Oui, mon job paye bien, je peux gérer. Quoi? Démissionner? Je viens juste d'être promu. Oui, je sais. Quand tu ne l'étais pas encore, tu n'arrivais pas à accomplir tes devoirs en tant que femme, sans parler de maintenant. Mes devoirs. Tu veux dire que je ne pourrais pas continuer à être ta domestique? Ah, mon Dieu. Bébé, cuisiner et prendre soin de ta maison, ce n'est pas de l'esclavage. Tu dois laisser ce boulot. Tu veux que j'abandonne ma carrière pour toi? Parce que tu t'entêtes à avoir une domestique et pas une femme? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Nous avons eu cette conversation pendant nos fiançailles. Je fais de gros progrès au boulot. Je ne peux pas démissionner. Annabelle, tu dois le faire. Je vais te rendre indépendante. Tu n'auras de compte à rendre à personne. J'aurai toujours des comptes à te rendre. Il ne s'agit pas de moi. Et tu le sais. Il s'agit de qui donc? Chux, je ne peux pas quitter mon boulot. Bébé, ce travail est en train
de nous faire du mal. Qu'est-ce que tu veux? Donne-moi ton prix. Dis-moi ce que tu veux. Arrivons à un compromis. Mais où est-ce que tu vas? Annabelle. Attends, s'il te plaît. Ok, désolé. Tu veux dire qu'il t'a demandé de démissionner? Oui, ce n'est pas drôle. Mais c'est sérieux. Honnêtement, c'est sérieux. Je viens juste d'être promue. Il veut que je quitte mon boulot afin de lui faire ses repas quand il veut. Il veut me transformer en une femme au foyer à plein temps. Hey, bébé, tu dois considérer son offre. Les femmes ne sont pas venues sur Terre pour souffrir. Oui. Tu ferais mieux d'y penser. Et s'il a de l'argent à payer, prends-le et fais le nécessaire. Pourquoi est-ce que je te demande même des conseils? Espèce de paresseuse. Je suis la meilleure conseillère que tu pourrais avoir, ça prendre ou à laisser. Oui. Je pense que tu devrais réfléchir à son offre. Elle n'est pas mal. Tu pourrais travailler de la maison. Mon boulot demande ma présence. Ne le comprends-tu pas? Estime-toi heureuse. Il n'y a plus vraiment d'homme bien là dehors. À toi de faire le nécessaire en gardant ton homme à la maison. J'ai dit ma part. Tu parles d'une amie. À ton avis. Jane, réveille-toi. Pourquoi est-ce que tu m'appelles en plein milieu de la nuit? Tais-toi. Une femme mariée t'appelle. Célibataire que tu sois, au milieu de la nuit, c'est un vrai privilège. Ma puce, je devrais vraiment être contente. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai réfléchi à notre conversation. Tu as décidé de faire ce qu'il t'a demandé. Non. Mais si je refuse, il va le prendre comme un manque de considération. Donc je dois trouver quelques termes et conditions. Chooks m'a demandé de donner mon prix. Alors fais-le. J'ai besoin d'aide. Et si je suis avec un homme dans mon lit, tu t'attends vraiment à ce que je te donne de bonnes idées à 7h de la nuit? Tu me nargues déjà un peu trop à cause de mon statut de célibataire. Madame, donne-moi des termes et des conditions, hein? Donne-moi des termes et des conditions qui lui feront changer d'avis. Je n'en ai pas d'assez effrayant dans ma tête. Je suppose que tu ne vas pas me laisser dormir si je ne t'aide pas. Ça te coûtera 100 000. Cette fille, tu es une voleuse. Tu es une arnaqueuse. Et comment ça citer? Bébé. Bébé. Dis-moi, on ne part pas à l'église? J'étais debout toute la nuit. J'ai constaté. Alors, dis-moi, que faisais-tu? S'il te plaît, je veux dormir. Pouvons-nous suivre la messe sur YouTube? Ok, c'est d'accord. Mais dis-moi, tout va bien? Pas du tout. J'ai une grosse migraine. Laisse-moi dormir, ok?
C'est d'accord. Alors bébé, tu as réfléchi par rapport à ça? Quoi? Tu sais très bien de quoi je parle. Quitter mon boulot pour devenir une femme au foyer à plein temps? Bébé, pourquoi raisons-tu comme si c'était un devoir humiliant? C'est plutôt honorable. Vraiment? Pourtant, aucun homme ne veut quitter son boulot pour devenir un homme au foyer. Annabelle, j'ai juste besoin d'un oui ou d'un non. J'y réfléchis encore. Tu es sérieuse là? Bébé, ça c'est pour toi. Oh. C'est la seule chose à laquelle tu es bon. Qu'est-ce que... Le thé. Faire du thé. T'es sérieuse ou tu veux me faire marcher? Tu sais seulement faire du thé? Tu es bête. Alors, bébé, tu as déjà ma réponse? Tu ne vas pas t'arrêter, n'est-ce pas? Bien. Oui, j'ai une réponse. Ok, super. Maintenant, dis-moi. La réponse est oui. Tu es sérieuse, là? Waouh. Tant que tu signes un contrat. Mais quel accord? Excuse-moi. J'ai écrit quelques termes et conditions. C'est une blague? Note. Ça, c'est non négociable. Bébé, tu blagues, n'est-ce pas? Tu veux que je quitte mon boulot après qu'on m'ait promu? Tu ne penses quand même pas que cette opportunité se présentera encore? S'il te plaît, lis et signe. Tu as écrit ça? C'est ma main d'écriture. Je sais, je veux dire, tu es vraiment sérieuse là? S'il te plaît, dis-moi quand tu auras signé. Merci. Mais Annabelle...
Frérot, tu aurais dû voir les terres. C'est tellement ridicule. Fais gaffe à ce que tu veux, frère. Fais gaffe. Je hais tout ça. C'est mal des deux côtés. Tu hais quoi? Ce que tu veux? Oh, le dicton, lequel? Les deux. Les deux ne sont pas corrects. Frangin, parle à ta femme. Essaie juste de négocier, c'est un homme après tout. C'est évident que tu ne m'écoutes pas. Je dis, c'est non négociable. Il faut craindre les femmes entreprenantes. Il faut les craindre. Je te dis, mec, je te dis. Mec, si tu veux mon avis, je te suggère de gérer la situation. C'est ce que tu dois faire. Je te le dis. Quel moyen? Calme-toi. Calme-toi. Premièrement, tu dois négocier avec elle. Essaye de négocier avec elle. Si cela ne marche pas, tu vas devoir prendre des résolutions. Des résolutions? Pense-y. Annabelle, je ne mange pas. Manger? Tu n'as pas encore signé le contrat. C'est une blague. S'il te plaît, va me chercher mon repas. As-tu déjà vu un entrepreneur rendre service quand le contrat n'a pas encore été signé? Mais je suis affamée. Trouve-moi un truc à manger. Tu aurais dû apprendre à cuisiner. Parce que je ne te rendrai plus aucun service jusqu'à ce que tu signes ce contrat. Bébé, bébé, honnêtement, une chose est sûre. On peut trouver une solution à tout ça. Le fait est que je meurs de faim. Tu as demandé mon prix et je te l'ai donné. Ton prix? Que je te paye le triple de ton salaire chaque mois? Que je te paye une voiture d'une valeur de 30 millions de naira? Que j'ouvre un supermarché pour toi? Que je te donne une allocation mensuelle pour tes soins? Une allocation pour le manque d'excitation? Une allocation pour la nuit? Une allocation pour le chômage? Mais de quoi est-ce qu'il s'agit? Tu veux une femme au foyer? Une ménagère? Tu veux que quelqu'un d'aussi instruite et avide de réussite comme moi reste assise à la maison? Reste assise à la maison à ne rien faire d'autre que cuisiner, nettoyer, te faire l'amour et grossir. Oh! J'ai oublié d'ajouter la location de gratification sexuelle. Tu as perdu la tête. Non mais c'est évident, t'as perdu la tête. Signe le contrat. Et j'irai déposer ma demande de démission de suite. Je vais cuisiner jusqu'à ce que tu sois fatigué de la nourriture faite maison. Ok, tu as aussi dit que je devais ramener de la glace du centre commercial chaque jour. Chérie, c'est environ 3 heures de voyage ici. 3 heures! C'est la glace du centre commercial ou rien du tout. Mais chérie, c'est ridicule. Je n'aime pas nous voir comme ça. Mes mains sont liées. Bébé, ce n'est pas... Tu peux être raisonnable. Oui. Tu peux être raisonnable. Ok, d'accord. Enlève la voiture. Enlève la glace. Je t'ouvrirai un grand magasin. Je te payerai un salaire. Mais ce sera juste pendant 6 mois. Non. Fais profil bas. Je ne peux pas. Je perds quelque chose, toi aussi tu perds. Bébé, ce n'est pas une compétition. Ça ne l'est pas pour toi, mais pour moi. Il est question de perdre mon boulot pour que tu aies ta nourriture faite maison. Annabelle,
pourquoi ne le vois-tu pas comme une opportunité de faire un truc à toi-même? Tu pourrais te faire virer demain. Je ne peux pas me faire virer, alors parle d'autre chose. Mais pourquoi te montres-tu si difficile? Tu veux boucler cette affaire ou pas? Oh, Jésus-Christ. Chérie, je l'ai préparé pour toi. Je me disais qu'on pouvait avoir un dîner en famille ou une soirée cinéma. Annabelle, vas-tu me parler? Ce jeu auquel tu veux jouer, sache que je peux aussi le faire. Rose, tu as visité la maison. Donc, tu sais déjà pourquoi tu es là. Je veux que tu assumes tes devoirs minutieusement, sans aucune crainte ni de faveur pour personne. C'est bon? D'accord, monsieur. Peux-tu imaginer, j'ai failli oublier la raison pour laquelle tu es ici. Devine quoi? Monsieur, je ne suis pas bonne aux devinettes. La cuisine. Oh. C'est pourquoi tu es là. C'est là que tu vas appliquer tout ton savoir-faire dans la cuisine. Monsieur, vous n'avez aucun problème. La cuisine est mon passe-temps. Tu vois, tu as une façon de me bénir. J'aime la nourriture. Quand je mange, je suis heureux. Quand je suis content, tout le monde l'est aussi. Bon, viens que je t'amène à la cuisine afin de t'y habituer. D'accord, monsieur. Okay. Je suis juste derrière. Bien, ici, c'est la cuisine. Ok. La cuisine. Comme je te l'ai dit plus tôt, voici mon meilleur centre d'intérêt. Je fais attention à tout ce qui va dans mon corps. Et tout le repas, tout doit être préparé ici, ok? D'accord? D'accord, monsieur. J'ai hâte de commencer. Ah. Et je vais te surprendre. Comme je le disais, la cuisine, c'est mon passe-temps. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Tu connais déjà les détails. Tu commences à 8 heures. Tu n'attends personne. Okay. Dès que tu arrives, tu commences. Les clés seront à la fenêtre. D'accord. Bien. Eh bien. Et si tu m'impressionnes, tu auras un beau dessert. Vraiment? Merci. Je vais vous surprendre, monsieur. Je sais. Bien, je crois que mon premier devoir serait de ranger tout ce désordre. Parfait, je crois qu'elle l'a laissé parce qu'elle devait aller tout au boulot. C'est d'accord. Oui. Ah d'accord. Oui, tu peux commencer. D'accord, monsieur.
Raison pour laquelle tu me demandes de craindre les femmes? Non. C'est que vous, les hommes, vous ne comprenez pas, c'est que les femmes réagissent à la manière à laquelle elles sont traitées. Oui. Attends. Tu le dis vraiment ou tu trouves juste une excuse à votre chante? Non, pas du tout. Hey, bienvenue, chérie. Bonsoir. Monsieur C, je pense que je devrais me mettre en route. À demain, peut-être. Oui, à propos de demain, je pensais que... Tu sais, puisque la route qui mène chez toi est encore en construction, pourquoi ne viendrais-tu pas passer la semaine avec nous? Tu pourrais rentrer le vendredi ou le samedi. Oh, merci, monsieur. Mais je vais y penser. Il n'y a rien à réfléchir là-dessus, hein? Il y a une chambre vide ici que tu pourrais occuper. Comme ça, je pourrais entendre l'une de tes petites histoires. Oh, vraiment? Ok. Dans ce cas, je vais m'installer demain. Mais c'est bien, c'est super. D'accord, merci. Ok, d'accord. Passez une excellente nuit. Merci. À demain, ok? Ok, d'accord. Merci, madame. Bye. Ouais, bye-bye. Oh, mon Dieu. Chérie. Viens-tu juste de lui demander d'aménager chez nous? T'as un problème avec ça? Tu as embauché une ménagère. Je ne me suis pas plaint. Et maintenant, tu lui demandes... Oh! Tu veux me rendre jalouse? Tu perds ton temps parce que je ne changerai pas d'avis jusqu'à ce que tu signes ce contrat. Attends, te rendre jalouse? Moi, te rendre jalouse? Attends. Annabelle, je n'ai aucune intention de faire ça. Tu vois, cette jolie fille là-dehors, elle va faire tout ce que tu as refusé de faire pour pas cher, puisque je dois te payer pour être une épouse. Tu rentres jalouse. Annabelle... Vient-il juste de la traiter de jolie? Quoi le souci avec toi? Tu as ramené une fille à la maison sans mon consentement et maintenant tu lui demandes d'y aménager? Annabelle, c'est pourquoi tu m'as réveillée? Ici, c'est chez nous, bébé. Je peux décider qui va rester vu que ma chère femme me fait la tête. C'est ça ton excuse? C'est une justification. C'est la nouvelle femme de ménage. Et elle s'appelle Rose. Tu dois t'y faire. Que suis censé faire avec cette information? Jamais tu n'avais pas besoin de le faire. Elle est là pour me parler, puisque tu as refusé de le faire. Tu parles... Qu'est-ce que t'es? Un gosse? Et tu lui demandes d'aménager? Temporairement. Tu l'as appelé cher. Mais je ne l'ai pas appelé bébé, pas vrai? Mais tu l'as appelé cher. Cher est un terme général. Annabelle, tu ne m'as pas dit un mot depuis des semaines. Et pour la première fois que tu le fais, tu veux soulever une guerre? Cette fille ne travaillera pas dans cette maison et elle n'y aménagera pas. Et toi, tu ne quittes pas ton boulot, n'est-ce pas?
Bonne nuit, chérie. Et elle vient gâcher mon sommeil. Monsieur C. Bonjour. Bonjour. La nuit a été? Elle était superbe. Et la tienne? Oui, bien dormi. Bien sûr. Ton petit déjeuner est... C'est bon. Bonjour, madame. Monsieur C, régalez-vous. Je serai dans la chambre au cas où vous aurez besoin de quelque chose. C'est d'accord. Qu'est-ce qu'elle porte? Hein? Tu dis quoi? Qu'est-ce qu'elle porte? Mais pourquoi tu chuchotes? Parce que je peux parler comme je veux. Parle fort que je t'entende. Qu'est-ce qu'elle porte? Essaie-t-elle de vendre quelque chose? Bébé, elle est à l'intérieur. À l'intérieur, chez moi et pas chez elle. Elle doit porter quelque chose de plus convenable. Fiche-lui la paix, bébé, c'est bon. Parce qu'elle nourrit ton fantasme, n'est-ce pas? Quoi? Hein? Tu aimes les belles jambes. Donc, aussi longtemps que tu es concernée, elle se comporte bien. Attends, tu es jalouse ou tu te sens menacée? De quoi? Elle? Oh, s'il te plaît, juste cesse de me questionner et arrange ça. Tu vas manger? Dégage. Waouh. 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 Mais je t'avais prévenu. C'est comme ça que ça commence. Et de femme de ménage en femme de lit. Et de protectrice d'homme. Et enfin de femme enceinte. Mm-hmm. Ou plus encore, en une maîtresse de maison. Turks ne me ferait pas une telle chose. Ah. Je n'ai pas dit qu'il le fera. Je ne l'ai pas dit. Mais tu ne connais pas son but. Rappelle-toi, Turks a ramené cette femme sur toi. Sans ton consentement. La meuf l'appelle Monsieur C. Où cela va-t-il mener à ton avis? Si tu avais vu ses cuisses, super grosses, et ses jambes, oh mon Dieu. Mais penses-tu que je suis allée un peu loin avec ma demande? Hein? Tu ne viens quand même pas de me poser cette question. Oui, absolument. Absolument. Mais meuf, tu m'as aidé à faire cette liste. S'il te plaît, n'oublie pas que tu me dois 100 000. Mais bon, oublions ça. Je te l'avais dit que faire cette demande était ridicule. Je te l'avais dit. Pourquoi n'essayes-tu pas de trouver un compromis? Ne m'en tiens pas rigueur, chérie, ok? Il voulait que je quitte mon job pour lui faire à manger. Il ne le souhaitait pas jusqu'à ce que tu sois obsédée par ta... La promotion est surmenée par le travail. Et après, trop fatiguée pour cuisiner. De quel côté es-tu? Je ne comprends pas. Un instant, tu me demandes de ne pas me réduire à la cuisine et l'instant d'après, tu me demandes de le faire. Tu sais qu'il ne s'agit pas de cuisiner. Tu le sais. Ton mari pense que tu travailles trop et souhaite tout simplement que tu puisses trouver un équilibre. Vas-y, raconte des bêtises. Dois-tu toujours faire ça? Moi? Je raconte des bêtises? Oui. Ce n'est pas de ta faute. Reste là. Jusqu'à ce que cette femme aux grosses cuisses réussisse à te voler ton mari avec une grossesse. Quelqu'un là, mourra. Quelqu'un mourra. Oh, elle est très drôle. Ah.
qu'elle s'en va. Pourquoi? Pour l'amour du ciel. Elle n'est pas chez elle ici. Tu ne veux plus la voir, c'est ça? Oui. Bien, d'accord. Tu dois. Mais tu dois accepter ma requête d'abord. T'as quoi? Ne me dis pas que tu es sur le point de jouer oui, le même... Oui, bien sûr. Après tout, la raison pour laquelle tu as refusé de me parler ni de cuisiner pour moi était parce que j'ai refusé de signer ton contrat. Ridicule. Tu dois faire pareil. Une minute. Lis. Signe. Et ce sera fait. Je vais prendre mon bain. Attends. C'est une blague? Que dois-je te payer pour les semaines de silence et de privation? 3 millions de naira? Je dois... Qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien comparé à ton allocation pour l'ennui. Hein? Si tu penses que je vais signer ces bêtises, tu te trompes. Tu cours. Oh, cette femme ne va pas me tuer. Oh. Oh. Te veux hors de cette maison demain matin. Pourquoi? Ai-je fait quelque chose de mal? Tu oses me poser cette question? Je n'ai jamais approuvé ton séjour dans cette maison et je ne resterai pas assise là à te regarder détruire mon foyer. Avec tout le respect que je vous dois, madame, vous ne m'avez pas employée. Votre mari l'a fait. Je te demande pardon? Votre mari m'a employée. Et c'est à lui de décider quand est-ce que je partirai. Mon mari et moi sommes un. Donc, si je veux que tu fiches le camp, tu n'as pas de choix. Madame Anne, je suis vraiment désolée. Mais vous devez aller là-dedans et régler vos affaires avec votre mari. S'il veut que je m'en aille, d'accord, je m'en irai. Mais pour l'instant, vous êtes coincée avec moi. N'ose même pas! J'ai l'air d'une femme de ménage assoiffée d'après vous? Non, regardez-moi! J'ai l'air d'une affamée d'après vous? Si vous essayez encore ce genre de conneries, je jure Dieu, je vais vous battre correctement chez vous et résoudre cette affaire en justice. Vous devriez me remercier! Vous devriez me remercier de m'occuper de votre mari après l'avoir abandonné parce qu'il n'a pas cédé à vos demandes misérables et ridicules! Espèce d'ingrate! Chérie, est-ce que ça va? Tout va bien? Tu n'as pas encore signé le contrat. Le plus tôt sera le mieux.
Numéro 4, très important. Ce film est très intéressant. J'aime son jeu. Elle est l'une de mes préférées. Oh, chérie. Joins-toi à nous, on adore le film. Mais Nedo, tu sais que je suis meilleur à ce jeu. Meilleur en quoi? On avait la possession. Mais vous avez mené tout au long du match. Mais... honnêtement, je pense que je ne supporterai plus Chelsea. Merci. Merci, Rose. Je vous en prie, Monsieur C.
Monsieur C. Pourquoi ne te joins-tu pas, non? Assieds-toi et prends un verre avec moi. Oh, vraiment? Ouais. Assez de tout ça. Je ne vais pas tolérer cette insulte. S'asseoir où? Avec qui? Ici, avec nous. En tant que qui? Ta femme? Je ne vais pas la traiter comme une étrangère juste parce qu'elle travaille ici. Monsieur C, ce n'est rien. Je vais juste... Appelle-le comme ça encore. Appelle-le Monsieur C une fois de plus et je te montrerai de quoi je suis capable. Bébé. Rose, vas-y, va dans ta chambre. Tu n'aurais pas dû lui crier dessus. Je lui ferai ce qui me chante. Wow. Tu sais qu'il ne s'agit pas là de cuisiner. Tu le sais. Ton mari pense que tu travailles trop et souhaite juste que tu puisses trouver un équilibre. Bonjour, madame. Vous
vous avez cuisiné? Non! Vous n'aurez pas dû vous stresser comme ça. Jux préfère ma cuisine. Oh mon Dieu. Bébé, pourquoi me revêtis aussitôt? Elle doit partir. Oh, Annabelle, pas encore. Elle ne peut plus rester ici. Je ne peux pas la laisser partir avant que tu n'aies signé le contrat. Elle est spéciale. Qu'est-ce que tu as dit? Elle est spéciale. Elle prépare mon repas, elle prend soin de la maison, elle me tient compagnie. Puisque tu as refusé de me parler car j'ai refusé de signer ce contrat ridicule. Ok, je suis désolée. Je n'aurais pas dû évoquer ce contrat. C'est juste que je ne veux pas quitter mon boulot. Bébé, tu ne peux pas juste te lever un matin et me demander de la virer. Après qu'elle ait travaillé avec nous pendant un mois et deux semaines. Ça ne se fait pas, je ne peux pas la faire partir. Pourquoi pas? Ok. Je suis prête à faire profil bas. Je me fiche du boulot si cela doit me coûter ce qu'on a. Je suis prête à démissionner. Je suis prête à faire ton repas. Dis-lui juste de partir. S'il te plaît. Non. Tu es amoureux d'elle. Je sais. Oh. Salut. Bon après-midi. Bon après-midi, comment vas-tu? Je vais bien. Waouh! J'espère que je ne t'ai pas fait trop attendre. Alors comment se porte ton mari? Il va bien. Ah. Il va bien. Mmh. Alors, quoi de neuf? J'ai besoin de ton aide, Nedou. Ok. Mon mari, j'ignore ce qu'il entretient avec cette femme de ménage. Je pense qu'il est peut-être tombé amoureux d'elle. Non. Non, pas Chuck. Chuck n'a que Dieu pour toi. Tu ne comprends pas, j'ai... Ah. Chuck t'aime. Mais il ne veut pas la virer. Au fait, peut-être parce qu'il pense que vraiment tu te surmènes. Chuck et moi, nous sommes proches, tu le sais. Il me l'a dit en confidence que tu travailles beaucoup. Et qu'il a l'impression que tu es surmené. Tu comprends? Et il essaie juste de t'aider. Mais je n'ai pas besoin de son aide. Cette fille a un œil sur mon mari. Et je crois qu'il ressent la même chose pour elle. Ils discutent jusqu'à minuit quand elle décide de dormir chez moi. Il ne la traite pas comme une domestique. Il y a donc de quoi s'en faire. Oh, tu es sûre que tu n'as rien fait de mal? Non. Et? Ok. C'est juste que, quand il m'a demandé de quitter mon boulot, je lui ai fait de simples demandes. Mais en ce moment, c'est la dernière des choses à laquelle je veux penser. Je suis prête à quitter mon boulot. Je la veux juste hors de chez moi. S'il te plaît, peux-tu lui parler? Ok, je peux le faire. Je lui parlerai. Tu sais, discuter avec votre ménager jusqu'à minuit est quelque chose dont il faut vraiment se méfier. Mais je lui parlerai. Je lui parlerai afin que les choses reviennent à l'ordre. Et tu dois me promettre quelque chose. Promets-moi que tu feras tout ce qui est en ton possible pour lui prouver que tu l'aimes. Si, d'accord. Je le ferai. Je la veux juste hors de chez moi.
Ok. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Calme-toi. Ça ira. Bonjour, bébé. Bonjour. Je vais au bureau. Pour y faire quoi? Pour faire ce que j'ai promis. Donc, comme ça, tu veux vraiment le faire? Je suis sérieuse, Tux. Je n'aurais pas dû me laisser noyer par le monde des affaires, au point de laisser les choses simples qui importent vraiment dans le mariage devenir compliquées. Je comprends, mais tu ne peux pas quitter ton boulot à cause de nous. Mais c'est ce que tu veux. Annabelle, c'est ce que j'ai toujours voulu depuis que j'ai remarqué que tu étais très occupée par ton boulot et que tu n'as plus de temps pour nous. Je voulais juste que tu fixes tes priorités sur ce qui importe le plus. Donc... Tu dis que tu ne veux pas que je démissionne? Pas si ça te coûte ton épanouissement. Mais c'est le seul moyen de la mettre hors de chez nous. Attends. Dis-moi, c'est tout? C'est tout ce qui te préoccupe? Non, non, Tux, non. Il s'agit du fait que je t'aime et j'ai l'impression d'avoir empiré les choses entre nous. Quand tout ce que j'avais à faire était de parvenir à un compromis. Il s'agit du fait que je nous veux de retour comme avant. Comme deux heureux amoureux. Mais cela n'arrivera pas, à moins que je démissionne. À moins que Rose ne parte. De qui est-ce que tu parles? Rose, tu sais de qui je parle, Rose? Rose, je ne connais personne de ce nom. Arrête! Je suis très sérieux, je l'ignore. Rose, la Rose qui vit chez nous. Quelle? Une Rose vit dans cette maison? Oh, mais voyons, je ne sais pas, je ne sais pas de quoi tu parles. Je n'ai vu personne ici aujourd'hui. Attends, tu peux aller regarder. Il y a les fantômes dans cette maison? Tu vois les fantômes? Va regarder, il n'y a personne ici.
Elle n'est plus là. Et ses affaires ne sont nulle part. Que se passe-t-il? Y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas? Annabelle, elle n'est pas une menace pour toi. Je ne suis pas une menace, Anne. Que se passe-t-il? Rose est ma copine. Quoi? Elle m'a juste proposé son aide. Je lui ferai ce qui me chante. Wow. Je t'ai dit que ça marcherait. Je te dis, mec, cette mise en scène marche à tous les coups. Vraiment, mec. Mais, mec, je... Je te l'avais dit. Tu t'en souviens? C'est moi qui ai eu l'idée. Mais, mec, tu as eu une suggestion de malade. Et ta meuf, elle a joué son rôle à la perfection. Je t'avais dit que c'est une actrice. Mais tu sais, pour l'instant, tu devrais prendre en considération ce qu'elle pense. Parce que ça commence à devenir hors de contrôle. Tu comprends ce que je veux dire? Il est temps. Pensez-y, mec. Mec, mais oui. Qu'est-ce que tu racontes? Elle voulait me ruiner juste parce que je lui ai demandé de quitter son boulot. Mais tu sais qu'elle adore son boulot. Tu le sais. Je sais. Écoute, Enedo. Oui. Je n'ai pas de problème avec son travail. Mais le truc, c'est que ce job épuise ma femme. Je commence à perdre ma femme. Elle rentre très tard et elle rentre épuisée. Je n'ai aucun souci avec son travail. Mais je ne veux pas que ça nous affecte. Et ne crois-tu pas que tu devrais faire quelque chose? Comment? Il n'y a pas de crime si tu l'aides à faire quelques tâches. Mec, je l'ai fait. Je l'ai fait, c'est juste la cuisine. Tu sais pourquoi je ne mange pas dehors? Parce que la dernière fois que je l'ai fait, je suis presque mort d'une intoxication. Ok. En fait, c'est ça. Donc, chaque fois qu'un étranger me sert à manger, c'est comme une réaction allergique. Je ne peux pas me contrôler, je n'y arrive pas. C'est tout. Mais je pense que vous devrez trouver le juste milieu. Qu'est-ce que tu penses? Moi, c'est mon avis. Ah, on verra bien. Ça devient incontrôlable. Pour l'instant, buvons, mec. Buvons, frère. Tu te prends la tête pour rien. Tu es mon ami. Je m'inquiète pour toi. Ouais. Les femmes. Que feront les hommes sans les femmes? C'est terrible. C'est faux. Santé, au plan parfait. Ton mari s'est soudain plaint concernant ton changement de comportement. Comment tu avais l'habitude, tu sais, de rentrer tard de ton travail tous les jours et négligeant tes devoirs conjugaux. Je lui ai dit, tu sais, t'attendre que tu es sa femme. Certainement, dans l'ordre où vous voulez récupérer votre famille. Bref, retrouve la stabilité. Une semaine passe, deux semaines, jusqu'à un mois. Alors, il était tellement en colère qu'il nous a demandé de l'aide. Oui. Bien sûr, quand j'ai lu les conditions de votre contrat, je devais faire quelque chose. Non, nous devrions faire quelque chose. Oui, j'ai décidé de jouer la carte de la ménagère sexy et audacieuse. Chérie, je ne te trompe pas et je ne le ferai jamais dans cette vie. Je voulais juste ma jolie et adorable femme de retour. Tu étais au courant de mes conditions et... Oui. Voyons, Chuck est comme un frère pour moi et tu le sais. Anne? Ton mari t'aime.
Il voudrait juste que tu fasses la part des choses. Le travail ne devrait pas rentrer à la maison. Le travail ne devrait pas traverser les barrières qui l'ont séparé de la maison. C'est tout. C'est tout ce que je veux, mon amour. Je n'arrive pas à le croire. Je suis désolée de t'avoir blessée. Et je suis aussi contente que ton mari nous ait contactés pour de l'aide. Parce que quelqu'un d'autre aurait commencé une relation extra-conjugale tout en prétendant comprendre ta situation. Et cela aurait été désastreux et tu le sais. Je suis désolée. T'es une bonne actrice, tu sais. Merci. Tu ne t'appelles pas Rose, j'imagine. Oh, si. Ce n'était pas nécessaire de le changer, puisque Nidou ne nous avait pas présenté. Tu mérites un award. Oh, voyons. Comme je l'ai dit, Anne, ici c'est chez toi. Trouve un moyen d'arranger les choses. Ok? Ton mari t'aime. Ok. Je lui ai parlé. Calme. Ça ira. Je dois aller au boulot. Je comprends. Ce ne sera plus comme avant. Merci. Je t'en prie. Sois prudente. Passe une bonne journée. Merci. Merci beaucoup, les gars. Ça me touche vraiment. Bien. Quoi d'autre? Apporte-nous des verres, mon gars. Ah. Salut, bébé. Bienvenue. Hey. Que se passe-t-il? Oh, ça, c'est nouveau. Tu es rentré tôt. Ouais, je t'ai fait une promesse, tu te souviens? Je t'ai dit que ce ne sera plus comme avant. Je suis curieux. Dis-moi, comment cela se fait-il? C'est simple. Je me suis entendue avec mon boss... que j'aimerais qu'on fasse un arrangement. Je travaille au bureau quelques jours et je travaille à la maison quelques jours. Il a accepté après avoir vu que ma tâche pourrait se faire à partir de la maison. Ah, vraiment? Donc, je travaille au bureau le lundi, le mercredi et le vendredi. Et je travaille de la maison le mardi. Et le jeudi, ce qui signifie que tu auras ta femme adorée, disponible pour faire ton repas quand tu veux. Gentille fille. Génial, n'est-ce pas? Ça, c'est une belle amélioration. Ouais, ça l'est. Ah, Non.
Ne te précipite pas. Tu montes à l'étage prendre une douche. Quand tu auras fini, ton dîner sera servi. Dépêche. Ciao, ciao. Allons-y. Attends. T'es en train de cuisiner? Ouais. Ton plat préféré, en fait. Un repas fait maison. Mm-hmm. Seigneur, ta cuisine m'a manqué. Et ça me manquait de t'entrelouer mes efforts. Je t'aime. Je t'aime aussi. Maintenant, allons-y. Vas-y.